Sophie, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une summer routine. Donc, je vais vous présenter ce que je fais le matin pendant l'été. Alors, je commence par boire un bon thé glacé que je vais donc faire avec des tranches de citron. Je mets aussi de la menthe fraîche dedans et je vais rajouter des glaçons et bien sûr mon sachet de thé. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai pris de l'infusion en fait, vu que j'allaite, je ne peux pas trop boire ni de thé ni de caféine. Et j'en ajoute par-dessus donc de l'eau de source, tout simplement. Ensuite, après ça, je viens faire donc ma toilette et je vais utiliser donc mon Basique 3 temps de chez Clinique avec ma Clarisonic pour nettoyer mon visage. Et je vais ensuite vous montrer ce que je mets sur le visage donc pour avant le maquillage. Je passe à mon petit déjeuner et là, comme d'habitude, donc ma pâte de cacahuète avec mon beurre de cacahuète avec mon pain demi complet. Et je rajoute aussi le matin en ce moment donc la levure de bière, je vais y arriver, pour mes cheveux et pour mes ongles. Ensuite, je passe à la toilette de mes dents et je vais utiliser la Smile Detox de chez Mercy Handy. Donc, c'est une détox de 14 jours qui va vous aider à retrouver des dents blanches et une bouche assainie. Je passe donc ensuite à la découverte de mes colis, donc à l'ouverture de mes colis. Donc voilà, souvent c'est souvent que j'ouvre les colis le matin dès que je les reçois chez le facteur. Et ensuite, bien sûr, je passe au nettoyage de la maison, au rangement de la maison. Donc voilà, là, tout ce qui est table à langer, de Souleymane, le lit, donc je fais mon lit, j'aère toute ma maison et ensuite voilà, je prends du temps pour moi, pour me faire belle, pour sortir ou même pour rester à la maison. Voilà, donc je commence ici donc par appliquer mon soin défatigant pour les yeux de chez Clinique. Je mets mon sérum énergie de vie, ouh, je vais y arriver, énergie de vie de chez Lancôme. Et je vais maquiller mes yeux ici avec la palette Sweet Peach de chez Too Faced. Vous savez que je l'adore cette palette-là. Et j'essaie de me faire voilà, un joli truc sur les yeux. Je passe à mon teint et je vais utiliser ici le baume de chez Givenchy et le Born This Way de chez Too Faced qui est un peu plus foncé, donc j'en mets vraiment que quelques gouttes. Et je viens l'appliquer avec les Pro Broches Ovales de chez SLA, de chez Serge Louis Alvarez. Vous savez, c'est des brosses toutes douces en forme ovale pour venir appliquer donc votre fond de teint ou vos correcteurs ou anti-cernes. Donc en parlant d'anti-cernes, je vais poser celui-ci, donc le Touche Éclat de chez Saint Laurent avec la Pro Broche Ovale de chez SLA, donc en format un peu plus petit. Donc celle-ci, je crois que c'est la Oval Pro Brush 32, numéro 32. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Et je vais utiliser donc pour mon contouring le contour kit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc pour venir ici éclaircir sous mes yeux, donc j'utilise la couleur banane de la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Et pour faire mon contouring, j'utilise cette couleur-là pour venir un peu contourer mon visage et lui donner un peu plus de profondeur, on va dire, vraiment pour vraiment le moduler, on va dire, voilà. Donc je fais le contouring de mon nez, pareil avec la petite brosse de chez SLA, de chez Serge Louis Alvarez. Et donc celle-ci, c'est le format encore un peu plus petit que celle que je viens d'utiliser. Je passe au fard à joues, je pose le fard à joues de chez Milani en couleur un peu orangée. Et je vais poser mon highlighter de chez Urban Decay. Vous savez, c'était l'highlighter, je vous disais que voilà, je sais pas que j'aimais pas trop, mais j'étais pas hyper fan. Finalement, j'aime bien le rendu que ça fait en fait. Voilà, c'est un peu un rosé, un peu irisé, iridescent on va dire. Et je vais poser sur la bouche donc ce joli rose de chez Guerlain. Et je finis donc par faire mon hijab. Voilà, comme d'habitude, c'est vraiment le tutoriel que j'utilise le plus souvent et la façon de le mettre le plus souvent. Voilà, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bisous mes belles, merci d'avoir regardé.